bien, monsieur. Bonjour oui. Tout le monde. Oui, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la YOL GDT habituellement? Ça passe à faire. C'est bien ça? Oui, pas ça. Vous avez vu comment il est? Ça passe à faire ou c'est ça? Exactement. Ah ça bon? Passe à faire. Ah bon? C'est ça fait. Je dis assez ça fait moi, je voudrais m'aller connaître ça qui s'appelle la fin. C'est quoi? C'est la YOL la Martinoise. Avec les chats depuis quelques années, et avec les sponsors, c'était EDF, EDF et Fréquin. Ah ok, d'accord. Alors donc, cette gueule, elle est extraordinaire de temps en temps, donc sa position sur le tour 2023, alors aujourd'hui, si j'entends bien, on est cinquième pour l'instant de l'étape, mais on remonte progressivement. Donc, cette gueule. Par rapport à l'époque, on est obligé de faire des sacrifices. Et aller au-delà de ce que nous pouvons faire. Aller au-delà de ses capacités, c'est ça. Exactement, au-delà de nos capacités. Alors, donc. Quel est votre quelle place que vous pensez qu'elle va avoir? La troisième place, c'est ça l'idéal. Vous ne demandez pas beaucoup, seulement la troisième place. Oui, seulement la troisième place. Eh bien, c'est gentil. Donc vous pensez que pour l'étape de demain, ce sera assez sérieux? Ah oui, l'étape de demain sera très très sérieuse et c'est là qu'on va se définir le vainqueur du tour, mais aussi notre position pour le tour. Et vous savez qu'il y a beaucoup de risques là, on est là. Tout à fait, en plus avec la manœuvre qu'on appelle 360, qui fait que oui, c'est assez sûr qu'on peut bien l'appeler la course de montagne. Voilà. Eh bien, je vous conseille que vous connaissez beaucoup. Je vous dis à vous. Alors, si vous êtes triste de ça, pas à faire depuis près de 10 ans. Mais sinon, je suis l'aïeul depuis plus de 20 ans. Et ça vous est arrivé déjà de monter sur l'aïeul? Alors, pas sur l'aïeul exactement, mais sur le Gobier, étant donné que l'association AGT est aussi une école de voile de la, au niveau de la Martinique au Lamantin, qui fait que j'ai déjà eu l'occasion de faire arriver le Gobier. Voilà. Donc le Gobier a été la première embarcation de l'embarcation martinique, c'est ça? Exactement. C'était le seul moyen de se déplacer au niveau de la mer. Voilà. Eh bien, ça me dit, on profite pour vous saluer bien bas et vous dire merci pour les renseignements. Merci pour cette vidéo. La radio en est bien partie sur la connaissance. Exactement, j'en ai entendu parler, mais je ne vous suis pas encore, mais là maintenant, je vous suis encore plus. Oui, c'est la radio, c'est le cas avec une situation handicapée. C'est magnifique ça. Eh bien, vous êtes une bonne journée. À demain sur la plage de Saint-Pierre. Merci beaucoup.